Ouais, donc on arrête avec ça. Je voulais vous parler du stage de troisième, c'est cette année, hein. Donc ce sera l'occasion de vous faire une première expérience professionnelle, découvrir le monde du travail. Et à ce propos, j'aurais voulu savoir, par curiosité, hein, entre autres, ce que vous voulez faire plus tard. Moi, j'ai envie d'être policier. Ok, très bien. Moi, j'ai envie d'être boulanger. Moi, mécanicien. Très bien. Astronaute. Oh, pourquoi pas? Dis-moi. Moi, je veux être médecin. T'as même pas les papiers là, tu veux être médecin. Ouais, vas-y, retourne au Bénin, toi. Oh. Moi, je veux être pompier. Tout de suite. Ah, Pyrénées. Je voulais te dire, par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, Oui. c'est que tu voulais être médecin. Tu te rends compte que de par ta situation, ça va être compliqué. Tu sais. Oui. Là, l'objectif, c'est que tu travailles le plus vite possible. Pourquoi médecin? Tu te rends bien compte que c'est pas possible. Mais c'est mon rêve de devenir médecin. Ouais, il y a les rêves, il y a la réalité. Je te dis, médecin, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bien sûr que si, c'est possible. Non, je t'ai dit, il y a le rêve et puis il y a autre chose. Enfin, on a déjà dû te le dire, il n'y a pas que moi qui te dis ça, tu étais au courant de la Mais c'est ce réalité. que je veux faire. Oui, mais il y a ce qu'on veut et ce qu'on doit faire. C'est la vie, je suis désolé, mais bon, écoute, t'en as déjà parlé avec ton éducateur à la ZEU, non? Oui. Bah, écoute, on va prendre rendez-vous avec lui, on va en parler, d'accord? Parce que c'est pas possible ça. D'accord. Ok? Donc, bah, bon, je l'appelle et on voit ça plus tard, ok? Ok. Ouais, tu peux aller en rester. Écoute, Bérénice, ça fait quand même pas mal de temps que je te connais. Oui. Hein, je t'ai déjà expliqué que à 18 ans, l'ASE ne pourra plus t'aider, t'accompagner. Là, pour l'instant, on est là pour te protéger. Mais il faut que, à 18 ans, tu puisses te gérer toi-même. Oui. Donc, qu'est-ce que je t'ai dit? Il fallait que tu choisisses un métier très rapidement. Tu suives des études. Non pas dans l'enseignement général, mais dans le lycée professionnel. Est-ce que c'est ça que je t'ai dit? Oui, mais moi je veux faire médecin, c'est mon rêve. Oui, mais je le sais, mais pour l'instant, on n'a que cette solution. Il faut que tu puisses t'assumer toute seule. Tu comprends ça? Mais il n'y aurait pas une solution pour, je sais pas, quelque chose pour qu'elle puisse faire ses études tranquillement La solution, c'est qu'il y ait des adultes responsables qui s'en occupent, qui la prennent en charge jusqu'à la fin de ses études. Vous voulez dire une adoption? Pas totalement, mais une prise en charge. Vous suppléez pas l'aspect parental, mais vous la prenez en charge jusqu'à la fin de ses études. Vous, enfin moi non, je peux pas comme ça de bout en blanc, je peux me permettre de faire ça, mais si elle trouve quelqu'un qui pourrait la prendre en charge. Tu as rencontré des gens, tu connais des gens qui pourraient, des adultes qui pourraient. Non. Et vous, monsieur, vous connaissez pas? Non, là, comme ça me dit rien. Je vais chercher, je vais voir. On verra, sinon, tu pourras pas faire médecine, quoi. Bah, écoutez, on va voir. C'est quoi? Il y a des documents particuliers? Bah, je peux vous sortir le document si. Attendez. Bérénice, Oui. Du coup, c'est comment avec ton éducateur? Bah, il a dit qu'il va falloir que quelqu'un m'adopte pour que je puisse continuer à faire mes études. Ah ouais, et personne ne peut t'adopter. Bah, tes parents, ils pourraient pas? Non, en ce moment, avec mes parents, tu vois, on est un peu en embrouille. Mais t'inquiète, on va trouver une solution. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Thank you.
Bérénice ? Oui, monsieur. Viens voir. Oui. Écoute. Passe-moi ton dossier de prise en charge.